Eh bien, salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, nous allons commencer un tout nouveau playthrough sur le très attendu Call of Duty Advanced Warfare. Warfare, je sais plus comment on prononce, je suis pas très bon en anglais. Donc, nous allons commencer une nouvelle partie. Donc, sinon, là, c'est qu'il y a à reprendre parce que mon petit frère a testé le jeu. Donc, nous allons commencer une nouvelle partie en bas, en seconde classe. Donc, juste après cette cinématique, je reviendrai vous parler. À tout de suite! On vient tout ce monde les yeux fermés. Et la plupart d'entre nous passent leur vie sans les ouvrir. On suit aveuglément ceux qui nous dirigent. On se donne corps et âme pour tout ce qui peut donner un sens à notre vie. Pour moi, c'était les Marines. Je m'étais engagé 6 mois auparavant avec mon meilleur ami, Will. On avait été déployés en Corée du Sud, à l'autre bout du monde. On était des frères d'armes. Je pouvais toujours compter sur lui pour veiller sur moi. Allez, Mitchell, ça peut pas être si mal. Je commence seulement à réaliser. C'est pour ça qu'on a signé. Mon vieux était dans les Marines, alors j'ai pas eu vraiment le choix. Ouais. Je suis là à cause de mon père aussi. Pour m'éloigner de lui. Tu pourrais difficilement t'éloigner plus. Ok, ok. On m'écoute. On a nos ordres. Insertion à la Zeta Epsilon. Simple et rapide, comme on vous l'a appris. Tout le monde sait ce qui se passe? Tout le monde sait où aller? Ouvre! Tout le monde est prêt? Ouvre! On y va! Mitchell, Irons, à vous! C'est parti. Les Nord-Coréens envahissaient Séoul. On devait les repousser. Plus qu'une mission, c'était une initiation. Intégration, Séoul, Corée du Sud. En espérant que... Bon, je reviens. Badger 01, on attend. Toutes les capsules sont prêtes. Attention, largage au point 3159. Je répète, 3159, coordonnées confirmées. Attention, contactez... Accrochez-vous bien. C'est parti. 5, 4, comme à l'entraînement, 3, Mitchell. 2, 1... Bom, bom, bom. Atterrissage dans 30 secondes. Hé hey, on se reverra de l'autre côté. Spaceman, on s'apprête à rencontrer des tirs nourris. Bien reçu, Badger 01. J'ajuste la trajectoire. Tiens bon! Mitchell, ferme les boucliers! Merde! Allez, Mitchell! Vite! Mitchell, vite! Réinitialisation du point de largage! Merde! Accrochez-vous! T'as rien de cassé? Mitchell! Ouvre la porte! Yo! Alors, voyons voir comment il est fait graphiquement. Escouade Badger, les Nord-Coréens ont envahi la ville et avancent vers votre position. Faites attention aux équipes de tir dans votre secteur. Bien reçu. Ouvrez l'œil, les gars. Attention.
comme d'hab. Merde. Ok, il faut qu'on descende de là et qu'on rejoigne l'équipe de démolition 1. Oui, monsieur. Alors voilà, enfin le nouveau Call of Duty. Donc graphiquement, bah, pour l'instant je peux pas trop vous en parler parce que bon, c'est un petit peu le début. Mais j'espérais qu'ils aient enfin changé le moteur du jeu, quoi. Le moteur graphique. Ah putain. Oh, par contre le bruit du flingue, je trouve pas ça terrible. Je vois un endroit sûr par ici. Il va falloir qu'on saute. Préparez vos boosters. Souvenez-vous, par un coup pour contrôler la chute. Yo. Bien ça. Ça va? Le poste de contrôle devrait être par là. Pas mal de bons petits quartiers. C'est quoi ça? D'accord. Ah, il est très très futuriste, hein, le nouveau Call of. Hein. Vous êtes qui, vous? Escouade Badger de la 227e. On vient soutenir l'équipe de démolition 1. Ils ont déjà commencé. On a cru qu'ils y étaient passés. Quelle est leur position? À 2 km au nord-ouest, coordonnées 775. Ok, on y va. Badger 01, attention. On a repéré un groupe de drones qui se dirige vers... Bon. Bien sûr. Ouvrez l'œil, les gars. D'après la presse, ce jeu-là a eu quand même de très bonnes notes. Attention la tête. D'accord, un chat qui a failli nous écraser. Je disais, le jeu a été très très bien noté. Sur pas mal de sites internet. Donc j'ose espérer que... Ah putain, le mec il a sauté. Oh, il est mort. Donc j'ose espérer que... Enfin, ça soit le vrai retour d'un bon petit Call of. On va dire depuis... Modern 2, voire même Black Ops 2, quoi. Parce qu'il faut savoir que le dernier en date, c'était Call of Duty Ghost, et puis... Et il était quand même assez mauvais, hein. Les Exa. Oh, des drones. On dirait les drones dans Matrix. Ça y ressemble beaucoup, quoi. Il y en a quand même pas fait chier. Oh là. Faut monter dedans. Ok, on va monter dedans. Ça rappelle vraiment les drones dans Matrix, quoi. C'est le Sony, les petites pieuvres, là. Oh la vache, ça pète de partout. Détruisez les drones. Ouais, on va détruire les drones. IEM à 50%. Ah, ça fait vraiment penser à Matrix d'un coup, là. IEM chargé. Et comme par hasard, c'est IEM, voilà, pour les faire tomber. Bon. Oh. Allez, un petit peu de Titanfall. Voilà, c'est une nouveauté sur cet épisode-là. On a une sorte de jetpack. On peut tout faire avec ce truc. Ça s'appelle l'Exo, je crois. Et c'est une style de armure ou je ne sais quoi qui vous donne de la force, vous permet de vous propulser. Voilà, tiens, justement, il esquive et il se propulsait. Ouais, je sais. Ah, d'accord. D'accord, ok. Ouais, faut que je m'entraîne quand même. Hein. Ça, c'est quand même pas mal, ce nouveau type de gameplay. Hein. Ah, par contre, on est très très vite dans le rouge, hein, et pourtant je suis qu'en normal. Hein. Ils ont peut-être rehaussé un peu la difficulté. Que depuis quelques. Bah depuis quand? Depuis Modern 2, je trouve que les Call of Duty sont été. Depuis. Ils ont été énormément simplifiés sur la difficulté. Puis là, ouais, en quelques balles, on est quand même dans le rouge, et pourtant je suis qu'en normal. Hein.
Donc je sais pas ce que ça va donner en vétéran. Peut-être un petit peu plus de difficulté. Oh vache, ah oui, on est très très vite en rouge hein, quand même. Hein. Ah, j'ai une grotte. Voilà. C'est ça, j'arrive à esquiver. Par contre, qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce que ça... Ça se... Ça se vide assez vite le chargeur quand même. Hein. Je suis pas où, mais ça se décharge très très vite. Hein. T'as tant de foule quoi, ça c'est énorme. Bon, en termes de son, est-ce qu'on... Ah oui, alors ça c'est un truc que je déteste, ouais, il n'y a pas de physique quoi. Ça c'est franchement des... c'est franchement con quoi. Il n'y a même pas d'impact quand on tire, voilà, il y a juste là. Pourquoi ils sont vivants quoi. Normal. Me direz-vous. Il faut qu'on passe de l'autre côté. Maintenez X pour planer au-dessus du vide. Ok. On ne vit qu'une fois. Ah ok, pas mal. Ça change de l'entraînement, hein Mitchell. Par contre, ce qui est dommage, avant de débuter cette vidéo, je voulais aller voir s'il y avait des sous-titres, mais je n'ai pas trouvé dans les options. Donc c'est un peu embêtant. Par contre, là, il fait assez sombre. Ça va pas être terrible pour vous voyez un peu le compte rendu du jeu. Et j'ai vu aussi, là j'avais vu un PC, et il y a des collectibles. Lance donc... missile AVOC, droit devant. Voilà notre cible. Il n'y a plus qu'à trouver l'équipe de démolition. Ouais, ils ont carrément démoli la rue. Taisez-vous. Les Nord-Coréens détruisent les voies principales. On va devoir contourner ce trou pour atteindre le quartier commerçant. Je disais, aucun que vous... j'ai vu des PC qui sont des... Ok, les collectibles, donc ça c'est les collectibles, je vous ferai des vidéos à part, comme d'habitude, des vidéos sous. Donc alors. C'est bon, on les reçoit. On vous rejoint à pied dans 15 minutes environ. Bien sûr, on renforce notre position, terminé. Pas de temps à perdre, backer. On est quand même assez. Putain de merde. Mais quand même assez... Oh là là, putain, mais c'est si dur que ça le jeu. Ah, un drone. Il y a des drones. Pas trop quoi en dire graphiquement pour l'instant. Certes, la scène cinématique du début a été franchement bonne. Hein. Par contre, graphiquement, je sais pas. Je pourrais vous dire. Vous en direz peut-être beaucoup plus en avançant dans l'histoire, mais là, pour l'instant, non. Des fumigènes ! Lance une grenade de marquage ! Je trouve que pour l'instant, on n'a pas. Ah, excellent ça ! Excellent ! Excellent ! Pas mal du tout ça, j'adore ce petit gadget. Par contre, le bruit du flingue, je trouve pas terrible. Hein. C'est bon. Ah, c'est pareil, sur Call of Duty Ghost, le bruitage était à chier quoi. Oh, je sais pas si vous vous souvenez, c'était vraiment pourri. Hein. C'est quoi ça? Ah, c'est vraiment des armes futuristes. Hein. Pas que ça, c'est bien quand même que la série Call of va beaucoup plus dans le futuriste parce que ça soit sur la. Seconde guerre mondiale, la guerre moderne, là c'est la guerre futuriste, merde. Comme dans Black Ops 2. Ils les ont tous tués, ces enfoirés. Restez concentrés. Ça change quand même pas mal. Hein. Bah c'est ce qu'il faut changer. De hein. toute façon, c'est vrai qu'il faut vraiment innover maintenant. Il faut plus revenir dans tout ce qui a été fait avant quoi. Là, faut vraiment qu'ils innovent. Hein. Mitchell, ouvre cette porte. Parce que depuis quelques temps, les Call of Duty, c'est vraiment pas bon, hein. C'est pas bon du tout, hein. Et le dernier en date, ça, pour moi, c'est Black Ops 2, hein, mais... C'est quoi, ça?
Oh. Tirez pas! Code bleu! Identifiez-vous! Équipe d'intervention d'Atlas. Transporte un vide. Qu'est-ce que ça donne au sud? C'est un vrai bordel. Il faut sortir par le tunnel est. Bien reçu. Bonne chance. En route! Venez! Atlas? Will, c'est pas la société de ton père? Si. Ils ont le meilleur matos, la meilleure paye. Pourquoi t'es pas avec eux? Je voulais servir mon pays, pas mon vieux. Fermez-la. Je vois du mouvement par là. Une patrouille. Liquidez-les. Non, franchement, je sais pas vous, mais graphiquement, j'ai l'impression que c'est encore le même moteur. Ils nous auraient peut-être encore menti, franchement. Là, je suis en train de voir les décors. Ça fait encore penser à l'ancien moteur graphique. Hein. Je pense qu'ils se foutent encore de nous, Activision. Hein. Ou Slade Gamer, mais bon, c'est leur premier jeu un peu seul, on va dire. Mais même s'ils ont à côté Raven Software et Hitmoon Studio. Il y a quand même deux autres studios qui ont travaillé sur Call of, quoi. C'est ça qu'il faut se dire. Hein. C'est pas que Slade Gamer qui a été dessus. Hein. Non, non, il y a deux autres grands studios qui ont sur lesquels ils ont collaboré pour faire le jeu, quoi. En plus, Raven Software, c'est pas des manches, et Hitmoon Studio non plus. Hein. C'est ceux qui ont fait les Transformers. Pas le dernier en date, le Dark Moon machin, là, qui a été très très mauvais. Mais les anciens Transformers comme la guerre, la chute de Cybertron, les Transformers 1, de 1 à 3, c'est vrai que c'était pas des mauvais jeux. Hein. Surtout les Transformers qui est basé à Cybertron, c'était vraiment des excellents jeux, bien innovants. Ah putain. C'est quoi ce... Oh putain, ça monte, c'est horrible. Eh bien à toi, un coup de coup. Tiens, bouffe. Putain, ils sont pas morts, ouais. Non, franchement, graphiquement, je trouve que non, y a pas eu un gap de passé encore. Hein. Par rapport à un Battlefield. Battlefield, ouais. Battlefield, de toute façon, graphiquement, ça reste toujours une vitrine. Hein. Même Rise, hein. Même Rise, c'est beaucoup plus beau que ce jeu, hein. Fait pas chier. Hein. Tiens, d'ailleurs, en parlant de Rise, faudrait peut-être que je vous le fasse aussi. Un playthrough dessus. Si vous voulez, bien sûr. Et donc, là, en ce moment, ça va pas être évident de tout faire. S'il reste encore Evil Within à vous montrer. Je sais pas ce qui est affiché. Crusader 2 et Metro, il m'en restera plus que deux épisodes à vous diffuser. Donc comme ça vous saurez que... Oh l'IA, oh là là. Ah oui, il y a encore des problèmes d'IA. Je disais, oui, au moins ceux qui suivent les métros, les Metro 2, Metro 3 avec 2, vous saurez qu'il n'y a plus que deux épisodes. Donc ça sera... un playthrough qui durera que 6 parties. Que 6 épisodes, c'est vrai. Alors. Il y a du monde. Par contre, ça fait bizarre les lunettes. On voit à travers les murs. Enfin, à travers les murs. On voit, ouais, ce soir, on va trouver les murs si vous voulez. Équipe de démolition 1, répondez. Merde. Faut qu'on se dépêche. Par contre, c'est encore un... Wow. C'est encore un jeu couloir. Hein. Ah ouais, d'accord, vous quittez la zone de mission. Ah ouais. D'accord, on peut pas se promener où on veut. Ça, c'est désagréable. Il faut qu'on localise l'équipe de démolition. Mitchell, par ici.
Ah ouais, j'arrive, je me promène un peu. Ouais, ça fait encore très couloir aussi, il y a vraiment pas trop tant de possibilités que cela. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Voilà le lance-missile. L'équipe de démolition devrait être dans le coin. Là-bas! Merde! Ils sont tous morts. Ok, ok. Je vois leur pack d'explosifs. On va finir le boulot. Mais on n'est pas une équipe de démolition. Non. Mais le temps qu'une autre équipe arrive, le lance-missile aura changé de position. Je vais récupérer les charges. Couvrez-moi. T'es sûr de toi, Will? Ouais. Je peux le faire. Ok. Mitchell, tu vas avec Irons. Prenez ce véhicule, on vous couvre. C'est parti! Ah, on pouvait pas faire... On pouvait pas y aller en infiltration, non. Bon, faut tirer. Ouais. Pas mal aussi, non. C'est très con. On aurait pu faire ça en infiltration. Ça fait vraiment cheater, quoi. Je vais pas le dire. Oh, putain. J'ai pas vu si les Nord-Coréens, ils ont des... Un exosquelette sur eux, faut que je regarde. Contact à 8h. Je regarde s'ils ont laissé. Ah non, ils ont pas d'exosquelette. Ouais, ils sont pas trop aussi forts que cela, quoi. Will, ce lance-missile a un sacré blindage. Tu vas devoir trouver une trappe d'accès et poser les charges à l'intérieur. Bien sûr. Ouais, je prends une grosse mitraillette. Suis-moi. Contact à 12h. Ok, on doit finir le boulot, qu'il soit pas mort pour rien. Oula, 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 oula. Je tire de partout. Ouais, grenade télécommandée. Oh putain, c'est horrible. Comment c'est trop facile. Comment ils ont trop simplifié le jeu aussi. Oh là là. Par contre, c'est vrai qu'en termes de difficulté, c'est vrai qu'ils ont peut-être mieux dosé, je trouve. Hein. Enfin, pour l'instant, hein. Parce que c'est vrai qu'en quelques heures, on est quand même bien dans le rouge, quoi. Et je suis qu'en normal, hein. Je suis qu'en normal. Viens à toi, t'as sa petite tête. Hop. Ouais, c'est des drones invincibles. Ouais, j'ai la grosse Gatling. Putain, c'est costaud comme gros, on a un con. Allez hop, bouffez une greux. Ouh là 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 là. Putain, oh putain, il est où? Ah! Je me baisse. Ah bah c'est fini. Ok. Mitchell, par ici! Donne la charge! Ok, c'est réglé. Oh. Ah ah. Merde! J'ai le bras cassé! Je peux plus bouger! Ok, tire! Bah non! Merde! T'occupe pas de ce chrono! On va essayer! Tire! On va décoller! Dégage de là! Oh, c'est con! Mitchell, on n'a plus le temps. Laisse-moi. Non, je veux pas. T'en fais pas. On se reverra un de ces quatre. Non. C'est qui qu'on entend là? C'est nous? Pouf. Un taux dans la gueule, qui fait du bien. Spaceman, Badger de la Terre, demande évacuation immédiate. Tiens bon. Reste avec moi. Ça va aller. On va te sortir de là. Ah putain, il a perdu son bras. Ah, c'est dégueulasse.
D'accord, il y a du scoring aussi. Ah, super! Un truc que je déteste, du scoring. Bon, bah voilà. Donc, je fais que juste la première mission. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour suivre mes divers types de vidéos. Je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie de ce Pietro spécial, le Call of Duty Advanced Warfare. J'ai essayé de bien le prononcer. Donc, moi je vous dis à la prochaine et ciao ciao!